Coucou tout le monde, on continue notre aventure sur Urban Empire. Eh bien on va essayer d'améliorer un petit peu notre ville. Donc vous avez pointé pas mal de défauts, hein, donc de choses que j'ai pas très bien faites dans l'épisode précédent. Donc on va tenter de les corriger petit à petit. Et comme d'hab, merci pour les pouces bleus. J'ai vu que la quantité de pouces bleus d'épisode dans l'épisode n'a vraiment pas diminué. Ça fait vraiment plaisir. Merci les gars. Alors, on m'avait dit qu'il faudrait peut-être retirer... alors j'avais fait un quartier commercial, est-ce que c'était lui? Ouais, donc c'est lui, et on m'a dit qu'il était en négatif. D'accord, effectivement, dépenses courantes et revenus. Donc on va devoir changer un petit peu la façon dont j'approche les quartiers. C'était Guillaume Lablanche, et également, alors peut-être d'autres également, excusez-moi si j'oublie, et également Bakerian, qui m'ont dit que il faudrait mieux les placer. Alors, je pourrais par exemple, peut-être, vous voyez, faire ça en maison. Et peut-être dédier celui-là à du commerce. Comme ça, il serait entouré de maisons. Je pense que ça serait une bonne idée. Ou alors de mixer un petit peu les choses. Par exemple, là, faire un petit peu de maisons et un petit peu de commerce. Donc, on va déjà modifier le quartier. On a du... Ouais, on est en positif. Ok. On va modifier le quartier. Et je vais voir. Donc, si je diminue là et j'augmente là, c'est où que ça a changé. Alors, ça m'aurait arrangé. Alors, ça, c'est vraiment dommage. Ça m'aurait arrangé que là, ça reste du commerce et que les maisons soient là-haut. Mais ça n'a pas l'air d'être trop le cas. Ouais, on peut pas trop y toucher à ça. Dommage. On va laisser comme ça. Vous voyez le commerce au milieu. Et là, des maisons autour. Ça m'a l'air pas mal. Ok, c'est ce qu'on va faire. Je vais perdre pas mal de commerce et on va rajouter un peu de commerce par là. Ok. On va rajouter au passage de l'eau, tant qu'à faire. On va rajouter du gaz, ça coûte pas trop cher. Non, pas d'autre chose. Lampadaire électrique. Les égouts. Et on va laisser la recueille, ça me coûte cher. Ah, ok, on est parti. Ouais, tant qu'à faire, autant faire un maximum de choses. Vote prioritaire, je vais accélérer les votes. Et là, on a plein de petites choses. Alors oui, on m'a dit également que je rate pas mal de fois les petites indications. Alors il faut savoir que les indications là dans le coin sont un petit peu cachées par le filtre anti-pop de mon micro qui est assez grand. J'ai un gros micro professionnel avec un gros filtre anti-pop. Je suis obligé de le mettre dans le coin de la table. Parce que sinon il est devant l'écran, j'ai plusieurs écrans, je suis obligé de le mettre du côté gauche de ma table, et donc il se retrouve juste au-dessus de ces notifications, parce que sinon il tombe de la table, voilà. du coup ça m'oblige à me soulever un petit peu pour voir le coin de l'écran. Je vais essayer de le régler en achetant un pied dans les prochains jours, comme ça j'aurai plus de problèmes dans le futur. Alors, les impôts des élites sont trop... Ah encore, mais qu'est-ce que vous m'embêtez avec les impôts des élites là? J'ai pas envie, non, on va dire... Ok, allez, un petit peu. Les gens ont l'air ok. À moins 2%, il faudra le remonter derrière. Du coup, une farce des étudiants. Ils ont créé une véritable armée de bonhommes de neige dans leur université. On va les pardonner. Je suis plus doux. C'est marrant, ils font des petits bonhommes de neige, on va pas les punir. Malgré vos efforts, votre mariage n'a donné aucun héritier. On n'avait pas eu une news sur un héritier. Mais comme vous n'êtes pas du genre abandonné, vous... Ah oui, on avait envoyé la femme au... comment ça s'appelle? À des bains de santé ou je sais pas trop quoi. Mais comme vous n'êtes pas du genre abandonné, vous avez pris une décision. Si Maria n'est pas capable d'avoir un enfant, quelqu'un d'autre le pourra. Moi je dirais non, je m'en fous d'un héritier si... Bon, alors on est obligé de dire oui, on va parler à Maria. Qu'une autre femme porte votre enfant. Bon, ouais, mais là c'est, vu l'époque, ça veut dire coucher avec une autre femme. L'idée a perdu grandement et elle refuse de donner son accord. Du coup, on est obligé de faire des préparations secrètes. Bah, je la comprends qu'elle veut pas non plus. Et enfin un héritier, qu'est-ce qui se passe là? Vous avez pris toutes les dispositions nécessaires et aux yeux du monde extérieur, votre femme enceinte s'est retirée au manoir de la famille pour donner naissance à un garçon en pleine santé. La jeune mère déteste l'enfant. On va garder le silence.
solitaire et pessimiste. Ok, donc là, du coup, la femme ne nous parle plus et l'enfant... et on sait pas comment parler à notre enfant. Bah, je sais pas ce qui se passe dans la famille, là. Mais bon. Alors, on est reparti. On a fini tout. Ah, les gens... Il y a pas mal de modifs, là. Hein. Ouh, le jeu est un petit peu moins fluide. Alors, aluminium. L'administration de la ville a commencé à s'y intéresser. Donc, par rapport à la luche. Et on souhaite exploiter la découverte. Les chemins de fer, non. Rendre les parcs de la ville plus agréables. En aluminium ? Rendre les aires de jeu. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent des parcs. Ok, donc on va se concentrer sur les parcs. Modifier le quartier. Donc ils vont dire oui. Donc là, tout se pète. Par contre, il y a moins de concurrence. Alors, qu'est-ce que c'est ? Interdiction du travail des enfants. Bah, on va soutenir. Hein. Par contre, apparemment, ouais, progressiste de droite. Ok. On va soutenir. Bon, la majorité sont ok. Abolir le travail des enfants, roi ou président. Invention des tracteurs mécaniques. Ok. Donc là, les maisons arrivent. On est toujours à 206 000. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, modifier les impôts. Ouais, ça, je suis pas content. Bah, allez-y. J'aurais aimé qu'ils disent non pour une fois. Okay, c'était en rouge, mais en fait, ils doivent être contents. Ils payent moins. Bon, ça paye un impact gigantesque. Et là, malgré... C'est bien des maisons, ça ? Non, c'est toujours un bâtiment commercial. Quoi, cette histoire ? Bâtiment commercial. Lui qui est en train de se construire. Non, il se construit pas. Ok. Alors, regardons les revenus, là. Dépenses courantes. Je gagne pas grand-chose, là. Oula, d'un coup, beaucoup d'industrie. D'industrie. Est-ce que je vais mettre... Là, j'aurais bien aimé mettre des maisons. On va mettre un petit peu d'industrie, là, parce que je sais que... je veux pas prendre le risque que les gens puissent pas y aller pour des raisons bizarres. Enfin, pas de tramway, pas de machin. Ok. On va te mettre là. Et on va garder un quartier. Donc là, les gens, vous allez avoir un endroit où avoir des industries où il y a plutôt... Non, rien. On va le mettre là. J'hésite un petit peu... On va le mettre là et là il va rester un autre quartier pour des maisons et là on va faire du commerce. Ok. Bon. Infrastructure. Égout. Lampadaire électrique. Non, pas de tramway, pas de borne d'urgence, c'est level 2. Confirmé. Et tout le monde est pour. Vote rapide. Ils veulent également du commerce. Donc du commerce, on va en rajouter là. C'est pour ça qu'ils ne détruisent pas en fait, parce qu'ils veulent absolument... Ah, proposition d'impôt. Oh non, non, ça suffit. Réduire les impôts des pauvres. Bah ok, je veux bien, mais... Un jour faudra qu'on ait des revenus quelque part. Hein. Donc la recherche de l'alu est finie. Maternité choisie. Ok. Donc là, pas mal de décrets. D'ailleurs, oui, vous m'avez également dit dans les commentaires. Je regarde. Qui c'est qui m'avait demandé de faire plus de décrets? Désolé, je vois pas en faisant défiler. Pas grave.
parfait. Donc là, je vais avoir une grosse chute, mais avec ce que l'on va gagner en industrie, regardez, regardez à la vitesse où ça arrive. Toi, vu qu'il n'y a plus de demande et qu'on veut... Ah, on va un peu moins de commerce du coup. Pourquoi le commerce a chuté? Le vote pour les impôts. Pour une fois que c'est pas pour les riches qu'ils demandent. On est à 10% d'impôts. Non mais ça, rigolez pas les gars quoi. On vient à 12 quoi. On va tenter. Eux sont hésitants. On va les solliciter. Ils veulent l'indépendance. Ok, c'est un petit peu mieux. Vous, vous avez combien de votes? Vous avez 7 votes restants. Toi, t'as plus de votes restants, donc je vais pas te demander de faire quoi que ce soit. Alors, eux. 7 hésitants. Tente l'alliance de la propriété privée et des réformes socialistes. Ok. Moi, est-ce qu'ils ont eu 5 votes avec 4 membres du conseil? Vous avez fini. Ok. On va voir. Alors oui, j'ai un décret également à poser. On va voir des décrets. Le jeu commence à avoir un petit peu de mal. Hein, décret disponible. Au moins en faire un. Il y en a beaucoup. Interdiction des BD obscènes. Voilà, je vais me faire ennemi public numéro 1. Pièce symbolique. Ça augmente le développement personnel et le divertissement. On a besoin. Ça me coûte rien. On va proposer. C'est un décret, parfait. Ah, qu'est-ce qu'il me faut? Plus d'industrie, mais il y en a des nouvelles qui arrivent. Bon, les pièces symboliques, le décret va être accepté, il n'y a pas de problème. Donc les effets qu'on a vus tout à l'heure. Modification des impôts. Ok, même pas la peine de solliciter. Ok, alors je vais mettre autre chose. On va financer mon service personnel. Les gens vont moins m'aimer. Mais vous me l'avez dit dans les commentaires, ça me ferait 3500, mais moins 3. Les parties m'aimeront beaucoup. Moi, là, je suis à plus 3. Là, je suis actuellement. Ouais, ça m'impactera que de 1. Mais ça me fera 3500 par. Ok. Proposer le financement. Tout le monde a l'air ok. Petit parc. Gérer le financement. Plus d'effets. Les petits parcs auront plus d'effets. Génial. Je peux pas proposer le financement tant que ma demande actuelle n'est pas terminée. Ah, tragédie. Oula. C'est une bien pénible nouvelle à annoncer, mais votre femme, Maria, s'est donnée la mort. Oh, vous saviez qu'elle était déprimée, mais vous ne vous attendiez pas à cela. Vous êtes anéanti, mais vous savez, ne savez pas si c'est le chagrin ou par la honte d'avoir un suicide dans la famille. Comment allez-vous reprendre vie normale? Sans le moindre problème, cruel, en imposant des règles strictes dans le foyer, en ressentant une terrible culpabilité. Bah, c'est un peu notre faute, j'ai fait des mauvais choix, donc on va choisir celui-là. Et là, ça donne quoi? C'est toujours des commerces. J'ai bien dit. Ah, c'est ça les maisons. Les maisons sont là et là, il y a les commerces au milieu. D'accord. Ah bah finalement, elles sont là, les maisons. Parfait. Ah, il me faut plus d'entreprises.
Encore des entreprises. On va en faire plus, hein, ils en veulent plus. C'est parce quoi là? Bon, on va le mettre comme ça, hein, s'il le faut. On aura un petit coin sans rien. Un gros réseau. Les revenus, on va tout activer et on va activer le reste dans les autres quartiers également. J'ai pas besoin d'éclairage au gaz du coup, ça sert à rien de payer ça. Non. Ok. Ça coûtait cher, mais ça valait le coup. Tout le monde est ok, vote prioritaire, on va le finir vite. Oh, une autre proposition d'impôt. Ok, ça. Les gens ont l'air contents. Eux, ils sont contents car j'ai soutenu la proposition, mais apparemment, ça va échouer. Donc, c'est cool parce que là, franchement, ils abusent sur la réduction d'impôt. On est à 10%, quoi. Ils veulent que je coule. Heureusement que les entreprises râlent pas. Alors, la maternité est choisie. Et on est au dernier. Ouais, il nous en reste plus qu'un qui va nous donner de l'hygiène dentaire, la promotion de l'hygiène dentaire. Ok. On va passer à l'ère suivante. Plus qu'à attendre. Nouveau quartier, ça c'est bon. Ouais, majoritairement pour. Pas de problème. Je vais avoir une petite perte de revenus, mais bon, on va toujours être à genre 200 000 au-dessus, donc il n'y a pas de problème. Alors ensuite, vote pour changement de financement. Ah oui, pour moi. Ok, pour moi, je gagne plus d'argent. Tout le monde est pour, merci les gars. Ils m'aiment bien, donc ils veulent me donner de l'argent. Par contre, ils vont me supporter politiquement un petit peu moins, normalement. On va voir si je vais devenir à moins... Ouh, le parti indépendantiste Zouarien, il a 36%, il a le double des autres. Une météorite dévaste 2600 km² en Sibérie. Les tensions montent. Ok. Alors. On a toujours de la demande, maintenant ils veulent du commerce. Alors, c'est à autour de jouer. Modifier les impôts, bah, je vais te laisser faire. Commencer le vote, j'espère que vous allez dire non. Allez, dites non les gars. Ah non, je crois que le côté droit rattrape. Ah, c'est passé, zut. J'aurais dû... Je sais même pas comment j'aurais pu leur dire de voter contre. Zut, bon. Alors, on est à combien d'impôts là? On est toujours à 10%. Je peux pas encore toucher moi-même au... Comment ça s'appelle? Aux différents pourcentages en fonction de la richesse de la population. Là. Là, je perds de l'argent. Donc, modifier le quartier. Pour le moment, on va faire comme ça. Moitié-moitié. Et puis, on va revenir toucher après. Tramway, gravier. Alors, tiens, hop. Utiliser mes fonds, non. Votre priorité, on va faire plutôt. Utiliser les fonds de la ville. Vous êtes quoi, vous, là-haut? D'accord, là, il y a les deux. Ah, la machine à écrire. Machine à écrire. Cette invention permet, paraît-il, d'écrire beaucoup plus vite et dans une graphie très lisible. Vous décidez d'aller voir ça de vos propres yeux. Conseil à toutes les entreprises de les utiliser. Il faut former des dactylographes.
On va confier aux entreprises. Ok, donc là, moins 5% de demande, je suppose, de ressources pour fonctionner. Et là, on est à l'interdiction du travail des enfants. Bon, bah, ça va pas être difficile. Il y a que eux qui veulent faire le Parti communiste qui veut faire travailler les enfants. L'argent que vous, les citoyens peuvent investir dans les entreprises privées a diminué, mais largement le reste, tout est bon. On a même gagné plus de matière grise. Des féministes de renom habitent dans votre ville. Elles prétendent que les femmes devraient avoir le droit de voter comme les hommes, et aimeraient maintenant avoir un vote soutien pour faire voter le Sénat. Promettre de faire notre mieux, ouais, pas de soucis, hop. Fin du travail des enfants, le métal perd son bras de fer contre les polymères, l'insubmersible Titanic démontre le sens de l'humour de Dieu, ok. Alors, encore un peu de place, pas de problème. Encore modifier le quartier, ah oui, purée, il y en a des votes là. Ah, regardez, d'un coup. Ici. Il est par là présente proposé que tous les citoyens puissent fonder et posséder leur propre entreprise. Bah ouais, je suis auto-entrepreneur, moi, donc... avec la chaîne, j'étais obligé de créer une entreprise. Donc, ouais, je les soutiens. Et ici, alors, est-ce que vous me faites... Est-ce que vous me faites des commerces? Ah, bâtiment commercial, déjà. Pas mal. Et du coup... on est... Oh, regardez la portée du truc. La portée du bâtiment commercial, elle est gigantesque. Si vous n'êtes pas sûr qu'il faille utiliser un désinfectant, utilisez de l'eau et du savon. Ah, on passe à l'âge 3. De cosmétiques, santé publique. Allez, on va faire lui. Aide aux vagabonds, soutien à l'éducation. Ah, j'avais choisi ça, vous voyez. Aide aux vagabonds à un moment dans un des choix de dialogue. Et là, j'ai deux branches qui mènent vers là. On va faire des maisons, là, on va laisser les entreprises. Alors, oui, il y a toujours des endroits qui n'ont pas tous les services, donc on va corriger. Gaz. Eau. Toi. Et goût. Votre prioritaire. Hygiène personnelle. Il est maintenant acquis pour les maladies que les maladies ne sont pas causées par les mauvaises odeurs. Désormais, l'idée qu'il vaut mieux prévenir que guérir prévaut. Les médecins pensent que la population doit absolument adopter de nouveaux comportements. Selon vous, ils devraient principalement encourager les gens à... Bon, laver les dents, c'est pour le dentiste, c'est pas les maladies. Utiliser du papier hygiénique, ouais. Prendre des bains et des douches régulièrement. On va mettre celui-là. Il faut vraiment améliorer la qualité de la ville. Hein. D'ailleurs, toi qui es au milieu. Ah, je peux pas le modifier. Il faut attendre la fin du vote. Allez-y. Est-ce que j'ai toujours ma centrale électrique d'ailleurs? Je sais plus où elle est. Je l'ai mise quelque part. Ah, elle est là. J'ai rien. Est-ce qu'on a des nouvelles institutions? Hôpital central. J'en ai pas déjà mis un d'hôpital central, il me semble. Que tu ressembles? Tu ressembles à ça. J'en avais mis un par là. Université. Hôtel de ville. J'ai pas mis l'hôpital central. Je suis étonné. Voilà. Mais bon, on en a pas tellement besoin, c'est ça que je me dis. Je regarde, c'est peut-être pour ça que j'avais pas mis. On est bon en santé, on est bon en sécurité, donc les deux là ne me passionnent pas non plus. Voilà. Alors là, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut des maisons. Et là, on va faire un grand quartier. Et on va terminer, je pense, l'épisode sur ça. Je sais pas combien de temps j'en suis. Ah, j'ai encore un peu de temps, ok.
purée, qu'est-ce qui se passe là? Trop petit? Ah, trop petit, tu peux rien faire du coup. Faudra modifier, ok. Ah bah, pas cool là. Je m'y attendais pas à ça. M'y attendais pas. Bah du coup, on va transformer un quartier en grand quartier, celui-là. Alors, antibiotiques. Traitement à domicile plus efficace, allez, pour les papiers mamie. Importation inattendue. Un homme d'affaires farfelu vient tout juste d'importer un lama. Ouais, on va lui permettre d'importer. Ah, ça diminue la qualité de vie, zut! Je m'y attendais pas à ça. Et santé publique. Selon vous, laquelle de ces pratiques le secteur public doit-il aider en priorité? Des bains publics de qualité, un environnement plus propre, de meilleurs cours d'hygiène. Un environnement plus propre, j'en ai besoin là, de l'amélioration de l'environnement. Qu'est-ce que je... Ah oui, je voulais modifier lui. Donc, densité du quartier. Hop. Zone commerciale, on retire. Ensuite, infrastructure, gaz. Électricité. Là, ça me coûte très cher tout ça. Lampadaire. Borne d'appel d'urgence. Votre prioritaire. Je vais pleurer. Je vais pleurer à la fin de ça. Je vais vraiment pleurer. Bon, alors, transport public, qu'est-ce qu'il me propose? Les sociodémocrates proposent de faire en sorte que les transports publics soient gratuits pour tous les citoyens. L'idée serait soumise. Ok, donc l'argent que les citoyens peuvent investir dans les entreprises privées augmente vu qu'ils n'ont pas à dépenser des sous pour le tout. Bon, ok, on y va. On va soutenir. Et eux, ils sont d'accord, ils aiment bien. Alors, il y avait un autre truc que je voulais faire, là j'ai zappé. J'ai oublié le truc que je voulais faire. Je vais bientôt transformer là tout ça en... En commerce, là on est bon, modifier le quartier. Alors le moment de vérité, est-ce que je vais couler, est-ce que je vais pas couler? Bon, je crois qu'on a, du pactole, hein, donc on peut se rattraper. Ah oui, voilà, je voulais augmenter les impôts, voilà ce que je voulais faire. Maintenant qu'il y a un peu de temps qui est passé depuis le dernier vote. Imposition. Ok, ouais, on va tenter notre coup, hein. Avant que tout le monde vote. On va les laisser, je vais pas les imposer parce que sinon ils vont... Leur opinion va diminuer. Et regardez, là d'un coup... Là d'un coup on a trop de commerce maintenant. Ah bah oui, parce qu'il y a plus de maisons. Bah oui. Faut que les maisons reviennent. Je pense que nous ne devrions lire que le genre de livre qui nous blesse. Nous... Alors, 863 de prestige, 15 millions, 1 demi-million de fonds propres et 86 de... L'âge 3. On est toujours cruel. Donc du coup, comme on est cruel, le Parti communiste nous aime moins. Mais le Parti de la Liberté nous aime bien. Et la sécurité de Kaiserschefen augmente. On est optimiste. Et donc par contre là, le Parti communiste nous aime un peu plus. Vote positif. Ah, les partis qui m'aiment. Votre négatif, ceux qui m'aiment pas. Les plus anciens m'aiment pas, les plus nouveaux m'aiment. Et obsolètes. Ah, toutes les lois sont devenues obsolètes, ok. Enfin, tous ces décrets. Développement personnel des gens, 20. Vie sociale, 15. 15. Santé, 20. Cadre de vie, 15. Et pourtant, on est juste à 1. Une fois qu'on retire tout, sûrement, j'ai dû faire trop d'entreprises. Et le divertissement, 15. Le Parti de la Liberté remporte les élections. Nouveau parti. Des femmes d'un genre nouveau dans la haute société. La famine ravage l'Arménie. Alors, regardons. Ok, donc là, on est revenu à 0. D'accord. Mariage. Vous avez enfin trouvé une fiancée. Il s'agit presque de la femme idéale, coquette et venant d'une famille noble. C'est une femme au foyer accompli, mais elle ne peut s'empêcher de parler longuement de sujets qu'elle ne maîtrise pas. La politique notamment. Comment allez-vous faire pour l'empêcher de vous mettre dans l'embarras? Bon, on va lui apprendre à parler correctement. Cruel et optimiste. Du coup, si je l'apprends à parler correctement, elle pourra venir avec nous et tout. Donc je pense que c'est une bonne chose. Invitation à la... À la quoi? À la convention d'un parti. Bon, on accepte, ça nous donne toujours un côté positif. Ne faites jamais rien que vous ne voudriez pas avoir à expliquer. Et la santé publique est ok. Allez, on va aller sur l'égalité, bureau des appels, taxes personnalisées. Oh purée, les taxes personnalisées. Ah, d'accord.
Transport public gratuit, le vote. Ou partagé. Ça peut aller des deux côtés, là. Mais j'ai l'impression, ouais. Ouais, plus de pour, quand même. Ok. Parfait. Le tramway va coûter plus cher, là, par contre. Hein. Vu qu'on n'a pas d'argent pour compenser. Commencer le vote. Là, j'ai pas d'espoir. Je vais jamais pouvoir remonter mes impôts. Je peux pas remonter les impôts, ils sont à 10%, quoi. Et les gars, ils vont continuer à me demander de les diminuer, je suis sûr. Bon, alors là, on est à 74. J'espère que les maisons vont revenir. Il n'y en a pas besoin, mais on a besoin d'industrie. On va faire passer les industries là. Ok. Et les poubelles maintenant. Les poubelles coûtent pas cher. Les égouts coûtent cher, mais on va quand même les faire. L'éclairage au gaz, on en a plus besoin. Ah. Et on va virer l'éclairage au gaz. On peut pas le virer ? Ok. Non, ça coûte trop cher, on verra plus tard. Tout le monde est pour, et par contre, entre là et là, ça fait un petit trou à mon pactole. Mais bon, on est bon. On arrive à la demi-heure, comme d'habitude, ça va très vite. Et puis, bah, je vous dis à bientôt dans le prochain épisode. On va voir si on arrive à sortir de l'air dans l'épisode suivant. Je crois que ça prendra quand même probablement deux épisodes. Merci à vous, et à bientôt.